Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères sœurs, haïtiens tout partout dans quatre pays d'Haïti. Tant qu'on est diaspora, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 1er août 2024, yon nouveau mois, c'est 8e mois dans l'année, année à courir à cheval là, année à galoper pour aller pour le fini. Dans 8e mois ça et son 8e mois qui tout commençait avec et turbulence politique li, qui rentrait là avec des séries de dossiers, des séries de informations politiques tête chargée, nous pral gagner pour nous partager avec vous. Déjà m'a souhaité au passé un très bon mois d'août. Veille côté n'a mettre pied nous, précaution pas capon. Ariel Henry, ancien premier ministre paysan, Ariel li retourné dans dossier politique, li retourné dans débat politique yo. Si pour un pile moun, Ariel c'était histoire passée, Ariel te mouri son cadavre politique lié. Eh bien Ariel Henry li pral gagner pour participer dans choix Ariel pral mette yon l'autre président dans conseil présidentiel transition. Hein? Nous pral bon tout détail yon nan bon ti mamite, nous pote information si la yo pou. N'a faux coup de pied dans pays Venezuela côté on l'autre fois encore Haïti li baye yon vote historique. Si pour un pile moun position Haïti prend côté yon pas reconnaître réélection Nicolas Maduro comme président Venezuela, si pour un pile moun position Haïti li fondé. Eh bien, dans le jour qui s'est passé, l'ancien sénateur Guy Philippe, lui-même, lui a félicité Nicolas Maduro pour réélection. Eh bien, pour un pile l'autre monde, Haïti, c'est un coup de poing dans le libaï Venezuela, un pays qui a gagné de très bonnes relations avec Haïti depuis un bon bout de temps. Nous prenons le bas au détail, yo, nous portons information pour vous. États-Unis annoncé gros sanctions. Et dans le dossier corruption qui concernait trois présidents dans le conseil présidentiel transition, il y a un update, il y a une nouveauté dans le dossier si là, on va connaître exactement qui ça bagaille là. Trois gros courriers joignent arrestation yo dans le sud pays côté nèg yo, côté présumé bandit ça yo, était à renouveler point yo, était à mettre job sous yo, Jean bagaille là dit. Nous pral gagner tout détail yo, nous pral gagner toute explication que autorité concernée yo même yo pral ba nous dans dossier si là. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer petit cloche de notification comme ça ou après te connecté avec nous ou pas rater aucun dans vidéo de formation n'a pas gagné pour n'en poster yo. Et cause yo en pile, j'aime toujours aimer dire chaque jour qui passe dans le dossier politique en Haïti, c'est une occasion en plus, nous-mêmes qui conscients, peuple conscient rien pour yon proposition yo, par rapport avec des scandales, par rapport avec des corrompus, par rapport avec des séries de moun qui yon même prend politique pour yon faire l'argent yo, pour yon faire beurre yo, pour yon rempli poche yo. Pendant passage, et président Edgar Leblanc fils dans pays la Grenade côté il était à participer dans 47e réunion leader pays membre CARICOM yo lui fait une déclaration qui suscitait et en pile débat qui suscitait en pile parler en pile dans mitan communauté haïtienne et m'pral permettre nous gagnons une idée de déclaration nous pral attendre ensemble avec moi qui ça Edgar Leblanc fils même li t'a bail comme détail. Et comme ça, nous pral profiter, faire commentaire ensemble, parce que le président Edgar Leblanc fils semblait nèg yo commencer manger blié. On nous attendait ensemble qui ça Edgar Leblanc fils, lui-même, il était fait comme déclaration. Maintenant, il faut dire que la situation a évolué positivement, je dirais, dans la mesure où les forces de sécurité nationale, la police nationale et l'armée d'Haïti, et les premières opérations déployées et effectuées par la police nationale accompagnée des troupes kenyanes ont permis de reprendre l'hôpital général, le principal centre hospitalier de la capitale,
et de consolider à l'heure actuelle tout le périmètre de cet hôpital. La vie commence à reprendre dans les rues de la capitale et dans le reste du pays, dans le nord comme dans le sud. La vie a repris quasiment totalement et environ 80 000 étudiants en 9e année fondamentale ont subi les examens officiels réussis la semaine dernière. Parallèlement, le Conseil présidentiel de transition... Non, t'as le. Bon, faut un petit tourner parce que je n'ai pas fini d'entendre bien sa présidente. Actuel, tout le périmètre de cet hôpital. La vie commence à reprendre dans les rues de la capitale et dans le reste du pays, dans le nord comme dans le sud. La vie a repris quasiment totalement et environ 80 000 étudiants en 9e année fondamentale ont subi les examens officiels réussis la semaine dernière. Bon, on nous campait Edgar Leblanc fils là. Président déclaré que la vie a repris. Il déclaré que la vie reprend presque totalement dans Port-au-Prince. La vie reprend presque totalement dans Port-au-Prince. Ça veut dire, dans le moment où on a parlé à là, si on décide d'aller dans le sud pays, ou quand on prend machine, ou passer mentissant, voum, 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 ou passer parce que la vie a quasiment repris et dans la capitale du pays. La vie a repris. Est-ce que Edgar Leblanc fils comprend vraiment la déclaration le fait à côté de la vie reprend? La vie presque reprend ou bien quasi totalement, j'en dis bagay liyan, et dans la capitale pays. Ça veut dire que la sécurité, commence à retourner. Moun commence à retourner la caillou. Jean-PM Garikoni te promet li, yo pral bay sécurité, a pral retourner, kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville, gros bagay comme ça qui commence à faire. Ou bien, est-ce que c'est dans rêve, ce 4 bandits tombés? 65 l'autre arrêté, 19 zam saisi. Est-ce que c'est dans rêve ça? Est-ce que c'est dans monde ça? Edgar Leblanc fisté, là, il t'a fait déclaration. Parce que dans le conseil, là, toujours de tout le monde a dit, Edgar Leblanc fils, c'est moun, c'est peut-être seul grand monde qui a crédibilité. C'est peut-être seul grand monde qui respecte tête lui. C'est peut-être seul grand monde pays qui a fait confiance. Mais après déclaration, est-ce que m'a toujours fait président confiance? Après déclaration ça est comme qu'a toujours croire dans parole président Campbell dou la vie a totalement a quasi totalement repris dans la capitale du pays. Ça veut dire la vie reprend Port-au-Prince. Ça veut dire ti machin yo descend dans la ville lui yo descend quoi beau ça lui al bat pénitentio. Lundi la vie reprend. Ça veut dire grand sud pays a route la praticable, route la accessible, moun ka passer Matisse à n'importe qui là. Lundi la vie reprend, moun ka passer Canara à n'importe qui là. Lundi la vie reprend, ça veut dire moun ka passer et moun ka circuler dans pays. Lundi la vie reprend, moun ka sorti n'importe qui là, moun joine l'hôpital pour y aller. Malheureux yo fonctionner, gen activité pour c'est ça oui lundi la vie reprend. J'ai l'impression que vous pas comprendre sans la vie reprendre. Moi, franchement, je ne sais pas si c'est le pouvoir qui fait que vous avez coqué mesdames, vous avez menti, pour vous avez voilé la face, pour vous avez caché derrière un rideau, pour vous avez fait, pour vous avez baillé, pour vous avez montré des solutions cosmétiques, maquillées, déguisées, mascarades, vous avez fait. Je ne sais pas si c'est ça, mais nous avons senti même le monde. Au monte ka fè un petit crédit mais koul rentre dans pouvoir l'état koul gen poste de responsabilité yo menteur yo coquin yo madame yo bluffeur la vie n'a pas repris nous pas gen aucune la vie qu'on prend dans capital pays hein, monsieur le président là tu mens excusez-moi grand monde excusez-moi monsieur le président pas aimé faire ça pas aimé trouver dans situation pour m'appeler taper grand monde non li pas fait sens mon pas ka bay menti ça yo. Pas gonken la vie qu'on prend. Et le moun yo attendé, c'est dans bouche ou bagay zap sorti, il fait mal plus.
Yo te ka kite l pou se Moïse Jean-Charles, yo fin abitue avec Moïse Jean-Charles. Yo fin abitue avec avec Leslie Voltaire, yo fin abitue avec et comment docteur Louis Gérald Gilles Smith Augustin Emmanuel Vertiller, yo nan tout, yo reprend yo nan tout sauce magi yo, yo fin abitue ak parole nèg sa yo. Yo pa prend parole yo pou vérité, mais Lord di lo même. Alors que tout moun a dit oh, c'est lik pi crédible, c'est lik pi respecté, li son moun ki respectable. Ça ne fait pas l'affaire. En tout cas, cause yon pi lui, politique la bon, j'en la fè nèg yo, li de la la nèg yo, l'fè nèg yo manje manje blie, la la grâce. Bon, nou pa prête la, oui c'est vrai, et président, li ap di de série de baye ki pas sa, mais, et pas de passage nan pays Grenade, et genye de très bonnes nouvelles pour Haïti, genye de très bonnes nouvelles, et par rapport avec participation Haïti rejoint commission réparation et communauté Caraïbes et commission réparation restitution ça lui permettre que gagner des études gagner des groupes de travail qui mettaient campé et sous l'argent des séries de pays te payé métropole française ou bien métropole anglaise tout dépend de qui est-ce qui t'est colonisé pays ça yo. Donc Haïti nous connaît la France t'est colonisé Haïti. Nous bataille, nous prend indépendance, nous shooter bouda blanc français. Pour yo vinn reconnaître nous et ben peut-être nous pas de jambe de accepter non. Pour yo vinn reconnaître nous indépendant, yo fait nous payer un volume l'argent. Yo fait nous payer un volume l'argent pour yo reconnaître indépendance nous. Et nous pas oublier en 2004 ancien président Jean-Bertrand Aristide nous ka dit tout bagay de Aristide, mais Aristide et c'était premier et c'était seul président depuis lors qui lui-même était campé dans une cérémonie officielle et on t'a célébré bataille de Vertir en novembre non novembre et puis dans commémoration nous connaît depuis ces célébrations officielles toujours gagné diplomate étranger yo qui vient assister etc etc et puis Aristide il t'a pas l'adresse pendant le virer le garde jeune ange ambassadeur français à l'époque pour demander la France paye l'argent rembourser dette de l'indépendance paye caler l'argent pour nous fêter 200 ans d'indépendance non l'argent réparation pour yo réparer pour restituer dette de l'indépendance. Et c'est peut-être une bagaille qui t'a pral chavirer Aristide en 2004. Aristide li pas parfait, mais ça l'était fait à l'époque qui t'est vraiment soulevé plim sous do pays impérialiste ça yo nous supposé dire les reconnaître li parce que si nous oublier histoire n'a reproduit même erreur yo. Journée jodi yo, Haïti fait partie de commission réparation côté tout pays qui yo même yo gen séquelles esclavage. Kote yo te fè pays sa yo paye l'argent pour reconnaître indépendance yo et bien a gagné des groupes de travail dans groupe de travail par Haïti yo et a gagné des personnalités académiques et différents horizons moun ki étudie sociologie moun ki étudie psychologie sociale et a gagné secteur universitaire là qui la dans li côté gen un comité qui pral travail de concert avec commission et réparation pour yo même pour yo pencher pour Haïti personnellement pencher sous dette de l'indépendance la France te fait nous payer pour yo ka rembourser nous oui le ka prend temps le ka prend des années est-ce que la pas abouti mais le fait que n'a fait travail de mémoire ça n'a kimbé dette de l'indépendance dans histoire nous n'a kimbé là n'a mandé yo et jou pays a bon président caractère colonne vertébrale qui pour faire bataille là et oui y a ka rembourser nous y a ba nous et ceci avec intérêt parce que yo té cassé point nous yo té prendre l'argent vrai et nous pas oublier États-Unis à l'époque occupation américaine 1915 là yo débarqué là avec gros navire yo premier côté yo té allé dans banque centrale nous dans réserve d'or nous yo pillé nous yo prend l'or nous yal avec yo pour investir la caillou pour relancer l'économie la caillou qui était cocobé qui t'a marché breté donc journée jodi an là tout ça yo groupe de travail ça yo comité ça yo supposé pencher sur tout dossier ça yo
Donc ça, c'est peut-être un bagage positif que président Edgar Leblanc fils, ministre Affaires étrangères Dominique Dupuy, retourne en Haïti avec peut-être une bonne nouvelle. Mais si c'est pour déclaration président t'es fait pré-pré, non, déclaration pas là. Déclaration ni pas. Et n'avancez pas de camper parce que information yo en pile, faut qu'on connaît véritablement grand point qui a dominé l'actualité. Nous gagnons OEA. Nous connaissons Haïti fait partie de OEA qui c'est l'Organisation des États américains. Eh bien, gagnons une réunion, une rencontre qui t'est faite côté t'es gagnons résolution qui pouvait voter. Résolution ça côté pays membre OEA yo t'a gagné pour yo même pour yo prendre position. Gagne 17 pays qui penchaient sur ça qui a passé dans pays Venezuela. Rencontre là t'a gagné objectif pencher sur réélection Nicolas Maduro. Maduro élection faite dans pays Venezuela dimanche 28 juillet côté que Maduro li réélu président. Gen moun ki conteste l. États-Unis conteste l, Canada conteste l, la France conteste l, même République Dominicaine conteste l et journée jodi Haïti conteste l tout. Ça veut dire que yo pas reconnaître Maduro comme président, yo pas reconnaître réélection Maduro, yo dit Maduro et c'est fraude li fait, c'est coquin, c'est madame et c'est opposant qui bonne élection et opposant et c'est joueur États-Unis, c'est joueur américain lié. Donc Maduro pour pays ça yo qui voter et contre Maduro qui pas reconnaître élection Maduro et yo dit que c'est fraude. Et pays ça yo c'est États-Unis qui chef de file là, c'est États-Unis qui major joint. Et bien j'en ai constaté là dans poste si là. M'bral li pour nous, m'bral ba nous lecture. Qui ça qui dit? OEA. Nous pralé. Dans une résolution pour discréditer l'élection présidentielle pays Venezuela, Haïti voté en faveur résolution. Yo pas reconnaître victoire Nicolas Maduro dans l'élection présidentielle là dans pays Venezuela. 17 états membres OEA mandé pour vote yo recompter. Dans résolution ça, il y a 17 pays qui voté en faveur. Canada, Chili, Costa Rica, Équateur, El Salvador, États-Unis, Guatemala, Guyana, Haïti, Jamaïque, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Suriname, Uruguay. 17 pays ça yo dit faut quatre la rebat, faut que yo recompte vote yo pas reconnaître Nicolas Maduro comme président Venezuela. Gen 11 pays qui fait abstention. 11 pays ça yo c'est Antigua Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, la Grenade, Honduras, nous gagnons San Cristobal et Nieves, et puis nous gagnons Saint-Plus. Et nous gagnons et 4 autres pays qui ont même été absents dans le moment réunion pour voter sur résolution. Gagnons Mexique qui pat là, gagnons Trinidad qui pat là, la Dominique et également Venezuela qui pat présent. Bon, c'est Géonjé, ou pas mettre Venezuela de yo dans OEA. Et peut-être yo aptan le yo gen joué pa yo ki monte, etc. Bon, nous pas connaît qui ça qui pral fait. Mais Haïti, même Jean, République Dominicaine te fait là, et bien Haïti lui-même li prend position, li pa reconnaître Nicolas Maduro. Si nous pas rappelé nous bien, nous te gen te parler de dossier ça. Parce que nous te gen te dit nous, étant donné que le conseil présidentiel là, yo pot ko penché, Guy Philippe lui-même li te publié, yon note kote l'te salue Nicolas Maduro. Nou genye note lan la, m'bral permet nou genye on ide, ok? Voilà. Guy Philippe li même 29 juillet te publié note sa kote l'te salue réélection Nicolas Maduro. M'te di nou que conseil présidentiel transition pa blye, tout sa kap pre comme décision politique États-Unis toujours d'elle. Si États-Unis toujours d'elle, donc si yon a penché, j'en États-Unis penché kon la. Parce que pas oublier sous Jovenel Moïse, Jean, et à l'époque, administration Jovenel Moïse, yon te bayi Venezuela yon vote sa yon considéré comme un vote historique, parce que c'est première fois Haïti penché en défaveur du Venezuela. Et laisse yon te faire sous Jovenel Moïse. Parce que yon te dit Maduro, et c'est dictateur, etc. Haïti te vote contre nos résolutions qui te prend. Et jodi encore, Haïti vote contre Venezuela.
dans question réélection Maduro. Mais nous te connais. Note ça que Guy Philippe t'est sorti le salut réélection et Nicolas Maduro, c'est sans incidence. C'est sans incidence sur la politique haïtienne parce que Guy Philippe n'y pas rien ni titre ni qualité. Guy Philippe son c'est citoyen haïtien. En tant qu'haïtien, li écrit Maduro, li reconnaître réélection Maduro, etc. Mais il te dit li salue dans non peuple haïtien alors que et là vraiment est-ce que Guy Philippe te gè pour te faire ça? Est-ce que te gè pour dire non peuple haïtien alors que do pas reconnaître li ni titre ni qualité, li pas officiel et c'est là problème nan ye. Koun y a alors vin gade Conseil présidentiel transition, gouvernement Gary Conilan yo voté en défaveur de Maduro. Et là encore Maduro lui-même, il était attaché avec position. Il essayait fonder cotation décision que pouvoir l'État, pouvoir haïtien prend autorité haïtienne, il prend pas rien pour avec peuple haïtien. C'est un groupe nèg qui a suivi États-Unis prend des décisions mais qui pas engagé peuple haïtien et c'est peut-être là que il a raison. Oui, dirigeant prend des décisions au nom de la nation. Yo prend décision yo pour peuple haïtien nan non peuple haïtien mais Maduro li même chaque décision qui prend qui concerne Haïti le dirigeant yo prend contre lui contre pays il toujours dit c'est dirigeant yo c'est pas haïtien il pas aucun problème avec peuple haïtien parce que haïtien avec vénézuélien yo té bataille côte à côte et pour yo té fait pour yo té aider Venezuela et Simon Bolivar etc etc li songel mais et en pile fois le nouveau pays dirigeant toujours penché sous l'autre pays pour yo prendre des décisions n'a pas comprendre que ça a toujours bail des problèmes diplomatiques à l'avenir m'a regardé comme m'a regardé nos photos m'a regardé également des vidéos côté vénézuélien qui en République dominicaine yo moun yo tellement mandé enragé pour courir quitter République dominicaine pour retourner Venezuela ba été chargé. Parce que Maduro dit de honnête. Depuis ce pays, il coupe relations diplomatiques avec yo. Parce que le pari relations diplomatiques dans le moment avec la République dominicaine. De pouté de yon. Parce que avion qui sont en République dominicaine, pas ka rentre au Venezuela. Donc Haïti lui même peut-être pas li pas de vol direct sur Haïti à Venezuela. Donc, vous comprenez? Et le pas qu'on penche sous Haïti en tout. Non pas qu'on est dans les jours à venir qui sa ka dit. Mais historiquement parlant, on reconnaît Haïti bail un deuxième vote historique contre le Venezuela. Donc là fois ça c'est pas Jovenel Moïse non s'il vous plaît, fois ça c'est Conseil présidentiel transition avec Premier ministre Gary Conille qui au même yo voté, yo pas reconnaître Haïti pas reconnaître réélection Nicolas Maduro. Bien. Et toujours dans le dossier politique, là, compatriote Haïtien Frechem, nous avons un scandale BNCA. Scandale BNCA n'est pas fini là. Scandale BNCA, lui vient remettre projecteur, lui vient remettre lumière sous ancien premier ministre Ariel Henry. Et c'est ce que j'ai constaté là, dans le poste que André Michel lui-même fait. André Michel, lui retourne sous tapis avec patron, le boss, le papa. Baronne, bopel, tonton, frère, cousin, acolyte, li, bandi légal, pareil, li retourne avec li dans le dossier politique. La. Puisque, pour moun ki pat konnen yo, et nous gagnons accord 21 décembre. Nan accord 21 décembre, nan, initiateur accord si la, li parlot ke Ariel Henry. Eh bien, nan note sa, que André Michel li mette de yo, nan posti fe a, ki sa le dit? Face à gros scandale corruption 100 millions goud qui éclaté dans pays il y a depuis des semaines côté yo accusé trois membres conseil présidentiel là parmi yo représentant accord 21 décembre nan, nous lançons une gros consultation nan mitan initiateur axiateur accord 21 décembre nan. 21 décembre yo nous parler avec plus passé 7 anciens ministres dans gouvernement Ariel Henry. Nous parler ak chef parti ak mouvement politique qui s'y est encore 21 décembre. Nous parler ak CARICOM sous dossier. Nous parler ak communauté internationale sous dossier. Nous parler ak ancien PM Ariel Henry sous question. Parce que lycée premier initiateur axiateur encore 21 décembre. Et pas sans raison, non, m'ral di. N'ap continuer parler nan mitan nous
n'a pas gain pour prendre responsabilité nous devant l'histoire. Et li parlé avec ancien PM Ariel Henry qui c'est initiateur accidenté à 21 décembre. Non, c'est initiateur accidenté un projet, n'importe projet lié à ou gain beau pour dire la dol. Le 21 décembre, t'as choisi pour y envoyer mob, nous t'es carré qui quantité et diversion que t'es gagné en mi-temps. Yo, non premier temps, c'est ton question de Vickerson gagné. Vickerson pas réussi, c'est ton question de pral voyer Sorel Jacin. Li pas réussi, c'était un autre et citoyen pas rappelé non lui t'es décidé voyer. Li pas passé pire et puis yo vinn pencher sur docteur Louis Gérald Gilles. Gen moun ki te konnen, konsa tou gen moun ki pa te konnen, mais docteur Gérald Gilles, c'est comme on te ka di, yo bonjour yo kon di bay sa, oui, c'est bon grain vote pour voir Ariel Henry qui était là. Docteur Gérald Gilles, li te nan pouvoir Ariel là. C'était artisan pouvoir Ariel là le té. D'ailleurs, nous dit artisan pouvoir, c'était nèg qui t'a bataille. Li te nan al passer parage pour té al la kay président Jovenel Moïse, après au fin assassiner président nèg yo vinn gen pouvoir yo nan men yo, donc c'était yo artisan pouvoir. Li rivé Ariel pendant tout temps le passé a. Docteur Louis Gérald Gilles, li pas vraiment fait écho voile, pas fait écho dans pouvoir, mais elle était là, nèg yo t'a joué des privilèges, nèg yo te gen pouvoir yo nan men yo, etc. C'était docteur Gérald Gilles, li te vinn dernier option à 21 décembre te gagner pour yo te voyon membre nan conseil présidentiel transition. Et choix docteur Louis Gérald Gilles, c'est un choix qui calculé parce que l'éternel pouvoir réel là, faut te connait, faut te gen moun qui t'a ba ou des détails pour te connait l'éternel pouvoir réel là parce que je tout monde te visé sur El Jacinthe, Majorie Michel, André Michel, etc. Yo pas j'en connais parler de lui, mais il était là pour autant. Et bien journée jodi an, par rapport avec scandale qui impliqué là dans dossier BNZA 100 millions de goud là, et bien à 21 décembre décidé yo même pour yo garder comment yo ka changer meuble comment yo ka remplacer docteur Louis Gérald Gilles. Et nous ouais André Michel li bay préséance li bay le devant avec Ariel Henry parce que Ariel c'est initiateur Ariel c'est signateur à 21 décembre ça veut dire n'importe Jean bagaille la virer Ariel qui c'est major joint à 21 décembre non li te ba nou premier président qui impliqué dans corruption Ariel pral gagner pour le ba nou l'autre président encore. Ariel pas de mon cadavre politique depuis février elle était dehors. Ariel était toujours là, elle était toujours à mettre pion, elle était toujours à jouer dans jouet échec là, elle était toujours sous échec politique là. Donc Ariel Henry dans moment n'a parlé à là, si nous pas véritablement mais nous bataille pour nous retirer ça nous gain là comme système politique, pour nous retirer ça nous gain là comme major jaune en politique là, comme moun ka fait politique, c'est politique pa yo, c'est politique poche, c'est politique personnel yo a fait, rien pas changé dans situation pays yo. Donc quel té équipe gouvernement koni, quel té conseil présidentiel transition, c'est même continuité ya, c'est même suivi yo ka fait pa rien de rupture. Donc le premier ministre Gary Koni li vinn là. Oui, c'est vrai, il y a des petits dossiers corruption, ou elle a, mais bon, pas de petits dossiers. Ok, petit dossier, je me dis comme ça, mais dossier BM, pas dans son gros dossier corruption lié. Ok, son gros dossier corruption lié, je rectifie. Malgré lui, il y a un dossier BM, pas dans la main, un dossier BM, pas dans la contre corruption, etc. Mais, bon paquet de corrompus qui habillé matin, midi, soir, qui a versé sous doyo, sous lié bien éclairé dans le pied, il y a un village d'accueil, il y a un primature, il y a chita, il y a discuté, il y a parlé, il y a négocié. Corrompus ça, il y a sous Ariel, corrompus ça, il côté équipe Ariel, tout Ariel, continue à faire débat politique, continue dans discussion politique, continue à mettre mon dans ministère dans direction générale. Donc, qui ça peuple a espéré le bon de mon zayo? Si nous pas font bataille contre moun sa yo, qui ça nous ka espérer de bon de moun sa yo? Donc c'est pas possible. Nous pas ka continuer à pas accepter que même moun sa yo qui sont passé 3 ans, c'est dérive, c'est Gilles Brecht t'a grené pour yo vinn renouveler tête yo, pour yo vinn renouveler personnel politique yo dedans conseil présidentiel transition et même dans gouvernement, c'est pas faisable, c'est pas normal. Donc il était important pour nous partager l'information avec vous pour qu'on ait dans prochain président pral tande à 21 décembre mete a, eh bien Ariel comme initiateur
Ariel comme signateur accord 21 décembre non li a gen mot pal li a gen et position pal et dans dossier a clairement et visiblement donc mes amis pas dit nous pas connaît et nous gagnons pays États-Unis nous gagnons États-Unis et bon moi me son ba me trouver qui bizarre parce que États-Unis dit le voyer Kenya pour venir aider nous yo voyer Kenya pour venir porter nous et secours etc et puis même États-Unis hein, sous site travel et gouvernement mais qui ça yo posté mais qui ça gouvernement américain posté OK compatriotes moi yo donc si nous pensons nèg ça yo vle fon bay pour nous vrai nous pral wè là est-ce que c'est vrai n'ap sive violence gang yo nan Port-au-Prince avec zone qui alentour yo c'est ça Travel Gov écrit sous page officielle yo. Département d'État américain mandé pour aucun citoyen américain pas voyager en Haïti dans moment ça là parce que yo pas vraiment mesi pour assurer sécurité yo. Particulièrement éviter zone tankou Piersis, Kafoudouya et puis alentour aéroport international Toussaint Louverture. Situation sécurité en Haïti est prévisible. Moun risqué prend bal marron. Niveau alerte nous sur Haïti a c'est 4. C'est ça nous lit dans notre officiel sous site Travel Gov là. Et donc département d'État américain sous site de voyage travel.gov, yo publié, yo pas recommandé, yo pas conseillé avec aucun citoyen américain pour rentrer en Haïti. Niveau alerte là, il était 4. Yo bail des séries de zones pour citoyen pour ressortir ça pas fréquenter pas même passer bon airport là. Alors ce que yo di, yo voye Kenya, yo base bo airport pour yo vinn aider la police, mette sécurité, mette stabilité dans pays. Et nous sot tande, nous sot gade dans vidéo que président te déclaré tout bagay sous contrôle. Bon, li pa dit tout bagay sous contrôle mais s'il ka di que la vie commence à reprendre n'importe où presque que tout bagay sous contrôle, oui. Li dit tout bagay sous contrôle. Bon moi me dit tout bagay sous contrôle. Donc ça veut dire ou ap tande États-Unis, département d'État américain, kap di américain, pa rentre nan peyi a, Haïti pa sef. Et pou tande, moun yo mete fè job la yo dou tout bagay sef. Ki eske kap bay manti, ki eske ki nan yo? Nèg yo kokèn yo met dam. Donc là, États-Unis le fin pale, tande, li di citoyen pa rentre en Haïti parce que Haïti pa sef, Haïti pa sécurisé. Donc, nèg ki nan l'État yo kap di, gen sécurité, tout bagay sous contrôle ou bien la vie commence à reprendre dans pays ya nous ka comprendre nous ka wè nous ka senti son paquet nèg qui sous bluff yo ye. Donc question sécurité a c'est toujours un gros débat c'est toujours et en pile parler qui gen la dedans rapide vite n'a fait un coup de pied dans département sud pays ya côté la police rivé mette maintenant pas de cassave trois individus des présumés bandits qui ont même yo ta renouvelé pour moi yo et yo t'al mette point sous point yo pour yo ka vinn si maye la tout bay nèg sa yo ki ta fait partie de gang Bab dirigé dans Mariani même yo même ka frappé moun grisier donc il gagne commissaire gouvernement et commissaire gouvernement au Kailan James Jean-Louis qui lui-même il t'a bay des détails en noir suivant ensemble avec toute explication que CGA lui-même il t'a bay. Alors mesdames messieurs gagne nouveau commissaire gouvernement au Kailan met James Jean-Louis qui les mêmes qui frappaient et qui frappaient très fort côté que les mêmes ni fouqué les mettaient en bas code 3 individus donc c'est une opération qui déroulait et entre paquet au caille et la police mesdames messieurs côté que yo fouqué 3 individus du côté de commune Chantal dans le département sud pays d'Haïti comme quoi 3 individus ça ont fait partie de groupe gang qui a opéré au niveau de Gressier. Donc on est qui valait la trouble et que eh bien nèg exam a bay nan Gressier mesdames messieurs nous connaît qui s'est rentré sud et donc capitale là vraiment en pile monde a passé en pile calamité en pile monde a monté au massifé donc eh bien au niveau de Gressier au niveau de Mariani donc c'est une opération côté que eh bien yo arrivé saisi yo zam dit trois individus ça yo répondre au nom de Teliska Jean Jocelyn qui est lui-même t'a fait partie groupe gang au niveau de Mariani donc gain Cheri Kerson gain Gazon Watson mesdames messieurs qui yo même en bas code dans moment que n'a parlé là dans grand prison civile au Kaila donc gain DCPJ qui pral
eh bien, interviewer pour être capable de connaître eh bien, qui gens et qui ça que eux-mêmes y a réglé. Donc au niveau de Gressier, donc selon le commissaire Mounsaro, eux-mêmes qui étaient venus renouveler point yo, donc la caille yon boko, eh bien ils étaient obligés eh bien faire filature sur yo côté que yo arrivé mettre yo en bas code. Ok, nous avons des informations depuis quelques jours, nous avons travaillé sur nous. Il y a des individus qui sont dans le groupe gang Port-au-Prince, particulièrement les Caïds. Comment le groupe Gressier. Qui a fonctionné sous plusieurs noms, bien entendu. Et dans le passeport, nous avons Gazon Watson, mais nous avons Schneider. Et puis, il y a 9 ans et en tout, qui c'est Boulos. Il est sorti au niveau de l'Ouest, il vient renouveler point sous les zones dans le Grand Sud là. Mais les gens qui rentrent avec là, c'est un propriétaire bolette qui relait Teliska Jean-Jocelyn, qui rentre avec Boulos, concept gang qui est très recherché au niveau de Port-au-Prince. Nous avons une filature, nous avons informateur l'autre bois au niveau de Chantal. Et depuis matin, nous avons mobilisé avec la police, nous avons au commandement, on partit dans le commandement avec nous là, que nous sommes arrêtés, nous sommes interpellés. Nous rentrons actuellement, le CPJ pour auditionner pour les suites. Nous c'est qui est, puisque c'est toi et nous c'est Teliska Jean-Jocelyn, qui c'est M. Bolette là, et qui a évolué au niveau de Chantal. Nous avons Chéri Kerson qui vient et tout, qui fait partie de l'équipe là. Et puis Gazon Watson, qui a fonctionné lui-même sous plusieurs noms. Vous connaissez généralement les messieurs ça dans le genre d'activité ça. Pour ne pas connaître les pièces d'identité qui fait son nom, il a fonctionné sous l'autre nom. Et bien ces trois arrestations qui sont faites au niveau de Chantal. Et Talelanbal est capable de vérifier peut-être le visage. Et les gens qui ont des informations de plus de tout, sont capables de partager avec nous pour que la justice soit capable de sévir avec toute rigueur contre M. Sayo. Et dans le cas d'opération, il y a un pistolet 9 mm également qui saisit. Que nous sommes capables de vérifier peut-être tout à l'heure pour ça. Vous posez une question, c'est que ça a répondu. Non. Le premier travail, c'est SDPJ qui va le faire, qui va auditionner, après ça, pour être capable de déférer par devant la justice. Alors, vous faites un premier est-ce que c'est pas vous dans le monde? Et premier élément d'information, vous avez fait quoi que le propriétaire Bolette a blanchi l'argent pour tout prendre ça. Et ça veut dire que monsieur Ovin Bo ici, non seulement Ovin renouvelle les points, mais il y a une activité l'argent pour laver, pour tout prendre ça à tout, et qui a fait dans la zone Chantal. Est-ce que ça vous avez dit en clair, c'est trois membres? Jusqu'à présent, c'est trois membres gang. Chaque niveau de responsabilité. Yo, parce que gang, il y a des gens qui ont opéré dans la rue, il y a des gens qui ont blanchi l'argent pour eux, parce que là, vous faites pas la rue avec elle. Il faut que vous côté pour injecter. C'est dans le cadre de sa propriété pour être interpellé. Parce que c'est la Kaeli Watson, alias Boulos, c'est la Kaeli qui est hébergé. La Kaeli dormit levé pendant quelques jours qu'elle était là. Et c'est l'autre bois à tout, nous apprendre nous. Que M. Alkaouga qui pourrait renouveler point eux peut-être pour retourner encore dans l'ouest côté que les principales activités. Il y a affilié à qui gang monsieur ce côté ça. Il y a affilié à gang Boudba. Boudba de Gressier. Mariani. Exactement. Et comparativement à l'information que CG a partagé avec nous concernant toi monsieur Sayo. Principal monde c'est citoyen ou les Watson. Parce que lui-même, c'est lui qui a appartenu avec gang Boudba. Ils sont agents de liaison, c'est lui qui fait transit pour nègre. Comme si, ça me dégage là. C'est lui-même, si je suis l'argent pour me voir dans le sud, c'est pas lui-même pour le passer. Si je suis un agent qui a dans le sud, c'est lui pour faire. C'est que c'est lui-même qui l'a comme agent de liaison entre l'ouest et le sud. Mais nous avons quelques temps à veiller. Hier, nous finissons cette opérée. Mais quand il y a des dommages collatéraux qui ont fait dans le dossier, nous font quitter parce que nous connaissons que nous conseillons de points stratégiques depuis que nous barrons. Nous mettons GPS sur nous, nous avons besoin. C'est demain matin pour épiler le pilier de la rue. Nous venons dans le chercher parce que deux voies la police. Nous dédions dans l'installation de nouveau CG. Politique la police demande toute population. Et m'a réitéré dans le moment ça avec la presse. C'est 100 000 la police aujourd'hui. J'y ouais, bouge pas. Moi, Mandel, et n'a songé, me dit non, Kaya nan même, plume qui pour corriger la police nan même.
j'ai eu bouche parler, information vient jeune moi, gardez nous même qui rendement la police a bail, qui résultat la police a bail, qui ça la police a fait information vient jeune. Et ou même qui ba information qui ça va arriver ou parce que information l'un gagne une traité. Nous plutôt prendre temps dans traitement information pour nous réaliser ça nous réaliser tant pour nous précipiter. Et puis quoi rater? C'est ça qui fait que M. Dekala depuis plusieurs semaines. Parce qu'il y a plusieurs semaines dans le département. Il vient dans le traitement, pour quoi parler, il vient dans réitérer point, renouveler point. Ça veut dire point la renouveler, il n'y a pas pour lui seul. C'est pour lui à l'équipe. Donc nous-mêmes tout, c'est synergie pour nous faire. C'est ensemble pour nous mettre. C'est dans le jeu où je parle à la police qui va rendre plus efficace pour la population au Grand Sud là. Un service adéquat afin que, tant qu'on nous dit, c'est pour un rêve, le café, que tout le monde soit à l'œuvre, évacuer l'activité. Est-ce que vous avez des informations par rapport au gang dans le département? Nous n'avons pas d'informations directement dans l'autre gang, mais par souci de surveillance, nous supposons que dans l'autre gang, pour nous avoir toujours été déactifs. Est-ce que c'est dans le cadre d'échange ou du moins? Non, pas d'échange, mais c'était. Nous sommes obligés parce que si nous n'apportons nos gangs, une vérification pour nous joindre. Et c'est à ce qu'il y a un débat avec ni juge de paix, ni commissaire gouvernement, nous faisons perquisition. C'est dans la perquisition, nous arrivons nous joindre ensemble. Mais il est dit que M. Adi s'est amené en légal parce qu'il devait légaliser dans la police 10 dates. Ça, beaucoup vérifier. Et en temps et lieu, s'il s'est amené en légal, la presse a au courant, la population a au courant. Parce que, bon, dis-nous, d'un coup, moi, l'OM je sorti une opération avec le commandant Sayo. Bon, je que moi-même, je possède. J'ai une base pour faire tout le bagage. Je saisis. Après ça, on a fait vérification. Vérification un peu qu'on fait. Comme moi, je connais. Nous remets le vif. Je parle avec nous sur le vif. Monsieur, on fait privé. Mais si il y a des informations qui méritent comme informations additionnelles, nous avons besoin de temps et lieu. Voilà. Nous attendons des détails que l'autorité dans le studio même. Yo tabay concernant arrestation trois présumés bandits qui ont même débarqué dans le sud pays ça cal renouveler point al renouveler point ça cal blanchir l'argent et l'argent sale l'argent et tout mauvais l'argent yo ça nous connaît kidnapping et voler camion etc etc. Donc la police déposer la patte sous trois jeunes garçons si là. N'avancer toujours dans le dossier politique, nous gagnons avocat, nous gagnons avocat Emmanuel Vertiller qui parlait, mais faut que moi dis nous gagnons avocat Smith Augustin et qui lui-même li somme président conseil administration BNZA, Raoul Pierre Louis côté au Balion Joufran qui équivaut à trois jours ordinaire pour demander pardon, demander président pardon, faire mentir sous président Raoul. Est-ce que vous demandez, comme c'est de graves accusations, il faut que vous demandez pardon, il faut que vous démentiez, il faut que vous excusez, sinon vous allez poursuivre pour diffamation et bien il a pris le plus grave, il a pris le traîner devant la justice. Donc, son dossier qui vraiment, et qui vraiment prend le grand pile chaleur parce que il y a une délégation qui arrive pour rentrer dans le pays et 10 août prochain. Pral gen petit chauffeur pour le fait et. Nous avons encore 21 décembre qui ont même yo programmé pour yo font passer merde dans conseil là dans mab bayo. Donc gen update. Li important pour nous attendre des détails que président que avocat président Emmanuel Vertiller là met Arnel Remy lui-même li a bay nan ça qui gen pour avec client parlant qui impliqué dans scandale corruption. On nous attendre ça. Merci tout médias qui fait déplacement ça. Merci pour la possibilité que nous avons. Et premièrement, saluer M. Emmanuel Vertiller, capitaine de moi. Un homme sérieux, intègre, honnête, qui jouit d'une très très bonne notoriété dans la vie du Cap-Haïtien. Un professeur, ancien juge d'instruction, etc. Avec de rigueur, avec méthode, et son honneur pour moi, mon avocat M. Emmanuel Vertiller. Permettez-moi de saluer tout le monde, capitaine de moi. Son plaisir et. J'en dis ma question et je maintiens toujours ma position. Et comme avocat du conseiller président M. Emmanuel Vertiller, j'en dis là, nous tendons des dossiers, nous tendons des scandales et malheureusement,
nous déplorer la façon dont le dossier a été initié dans les médias. Pas même pas devant le tribunal, non, mais par contre dans les médias. Et puis de nous, ça, et nous te dit bon, voyons ce qu'on peut faire pour laver, pour essayer de redorer l'image du conseiller président Vertilaire, mais Emmanuel Vertilaire. Et pas pour moi, et moi, constitué conjointement avec avocat Petit Desalimio, qui forme une batterie d'avocats, composée de brillants avocats, qui pourraient faire valoir ce que de droit, parce que, écoutez, c'est un dossier qui n'est pas fini. Même toujours dit, prends un média, prends un téléphone, prends un sous 1200 euros, ou la grande information, ou ternie image en monde, ou la grande tâche indélébile, ça ne peut se réparer en une seconde. Et c'est la raison pour laquelle, moi-même, première intervention, je fais un tweet que je fais, un tweet de responsable du parti aidé. Et moi, content, moi, bien content, moi, je prends comme test de bataille, je prends comme cheval de bataille, pour dire que, écoutez, on ne peut acculer les conseillers présidents de cette manière, sans pour autant parler de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En matière de corruption, on parle de présomption de culpabilité également. Mais nous-mêmes, comme nous sommes défenseurs de monde et que nous bataille pour la question de garantie judiciaire, c'est dans ce sens que dit, écoute, avant de prendre toute décision hâtive, pourquoi ne pas évoquer cette question de présomption d'innocence? Est-ce que mon rapport plus conclu, hein? Est-ce que mon enquête? Est-ce que cette enquête a dit, etc., etc. De toute façon, ensemble de démarches qui vous faites, et puis après ça, vous pensez qu'il y a une sanction, il y a des mesures qu'après, si et quoi viennent avec nous. Qui ça aussi a eu? C'est le président du conseil d'administration de la BNC, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, qui dit qu'il aurait été approché par trois conseillers présidents pour qu'il soit maintenu en son poste de président du conseil. Bon, là, nous entendons. Et il est rejoint par son avocat, que nous avons salué. Et même là, nous critiquons des manches, même là, nous critiquons de procédure, comme avocat de grand calibre, de grand gabarit. Donc, quand on dit, écoutez, puisque on dit, ou citez non Emmanuel, mais Emmanuel Vertilaire, nous-mêmes comme avocat, on dit, bon, actori incumbit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve incombe à la partie qui l'évoque. C'est-à-dire, souvent, dit que je t'ai approché, ou la question que je me pose, le comportement approché, le verbe approché, est-ce que qu'on y a la justice haïtienne punie? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'approcher quelqu'un? Est-ce que le Premier ministre ne sait pas qu'on approche un monde? Est-ce que le président ou bien le ministre, le conseiller, ne sait pas qu'on approche un monde? On approche un monde pour parler ensemble avec vous, etc. Maintenant, le fait qu'on dit approcher, il n'est pas suffit. Maintenant, si on dit ces trois conseillers ou bien Emmanuel Vertilaire m'a approché, maintenant il faudrait que vous partagiez avec la presse ou bien avec les conseillers et les preuves. De signature de chèque, de versement de pot de vin, de versement d'argent. Maintenant, si vous avez nous dire, mon cher, j'ai versé 100 millions de gouttes à ces trois conseillers pour être maintenu à mon poste, là, écoutez, là, il n'y a pas en sortie de là, la justice pour en décider. Maintenant, l'envie, à qui objectif? Même, qualifier complètement ça de machination politique, de scandale politique, de lynchage politique. On est en train de lyncher politiquement Maître Emmanuel Vertilaire. Pourquoi? Parce que là, une décision qui fait un pile monde mal, qui fait classe bourgeoise mal, qui fait secteur privé mal. Parce que l'on est on a BNC depuis 20-25 ans et au cap coupé gâché 60% de crédit dans un seul secteur. Maintenant, l'ovini autant de bras dans la place, pas ça, vous avez personne. Et bien, c'est une raison ça qui fait que, écoutez, Maître Emmanuel Vertilaire, qui sont natifs du Cap Haïtien, objet de l'échange politique, ça. Côté qui a terni l'image, lui. Nous-mêmes, comme avocat, nous dit bon, monsieur Raoul Pierre-Louis, écoutez, lui parle pour faire valoir toute sale Dieu par le tribunal. Et si, attention, c'est là où il doit parler là. Et là, doit parler là, pardon. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de prouver par A plus B que, lors de ce approchement de Jean-Relais là, rien n'a été fait. Écoutez, c'est de simples déclarations, comme disait l'autre. La justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt. Alors, je ne suis pas bon, dit,
Le qu'on y a nous-mêmes, nous prenons mes têtes, nous nos situations, nous font action au civil, et je pourrais vous demander 300-400 millions de gouttes comme réparation. Parce que, un, nous sommes conseillers présidents, ou salimagement, famille, ou causer des torts et griefs, ou faire mal, elle dit, maintenant, pour venir, écoutez, j'avais fait une erreur, je fais mon chéri. Ça va même pas connaître. Maintenant, on prend aspect juridico-technique. Maître Vertilier, qui ça dit? Maître Vertilier est un conseiller président. Attention, c'est dit, si nous allons dans l'article 4 du décret portant création du CPT, c'est dit, un conseiller président, c'est un haut fonctionnaire, et pas moins de dire. Un conseiller président est un haut fonctionnaire. C'est dit, un conseiller président ne peut être révoqué, il ne peut être blâmé. Seul ça qu'arrive au conseiller président, c'est une destitution. Une destitution. Maintenant, qui peut destituer le conseiller président? C'est la Haute Cour de justice. Et pas moins bien voté, c'est la Constitution. Pourquoi ils en parlent de l'autre Cour de justice? Parce que le décret portant création du CPT, écoutez, il dit dans l'article 4, les conseillers présidents jouissent des prérogatives spécifiques, jouissent des mêmes prérogatives spécifiques de président. Mais soit le dit là. Si un petit 4 là clair, si un petit 4 là précis, on parle, on est obligé de parler parce que le fait que m'évoquer thèse de haut fonctionnaire, oui, ou pas qu'à moyen comme ça. Alors, maintenant, pour nous, on va parler là du accord 3 avril là. Non, décret. Okay. Décret qui porte création CPTA. Il y a un accord là, il y a un arrêté là, arrêté c'est le quoi nommé Mounio, il y a un accord là qui signe entre les parties. Maintenant, il y a un décret qui peut être créé sur CPT, qui va être fonction CPT. Maintenant, il y a un petit 4 décrets qui crée CPT. Il y a 10, mais qui s'appelle le président. Et qui, mais qui privilège que le juge. Ok. Là, il y a un qui fait mon mieux plus, il réagit après tout. Hein. C'est que, on dit là, nous avons un contexte spécial. C'est-à-dire, le conseil là, ce n'est pas mon qui est allé dans l'élection et qui est élu normalement. Donc, si les ont apporté à eux, pas eh bien agi ensemble avec la Constitution. Donc, pour qui ça, ils n'ont pas si au tabac et non, ils n'ont sac pas ça. Pour qui ça, ils n'ont pas la justice pour jouer pas à Très bien, merci. Très belle question. Écoutez, pas grand rien qu'à fait en termes de texte normatif, en termes de règlement, en termes de loi, pour y parler fier à la Constitution. Et tout le monde qui a dit ça, m'a voué à regarder dans le premier visa tout document ça. Premier ça dit, il dit vu la Constitution. Ça veut dire ça. C'est tout texte que a écrit, tout décret, tout arrêté, tout accord, il a essayé de faire en conformité avec la Constitution. Dans le décret portant création de CPT, premier ça dit vu la Constitution. Et même le ça tout, si il n'y a pas d'accord que le conseiller président pas un fonctionnaire, c'est pour te préciser dans le décret. Même le ça, pas de problème. Le décret ne peut être contraire à l'esprit de la Constitution. Si l'article 55 dit qu'il y a un fonctionnaire, mais qui s'allie, mais qui boit au carton d'elle, mais le décret n'a pas qu'à finir avec elle. C'est-à-dire le ça, le décret, il est comme si, il est contraire, il est en porte-à-faux. À ce que dit la Constitution. Et bien, moi, pas dit un contexte spécial, je suis avocat, je suis esclave de l'application de la loi. Mais ce n'est pas moi qui t'ai des prières, c'est l'ensemble de secteurs réfléchis qui t'ai approché des prières. C'est-à-dire, précision, résolution, je t'ai supposé statuer sous lit. Mais le fait que pas statuer sous lit, moi-même comme avocat, si ma défense m'était mal vêtue, je suis à bon droit de l'évoquer. Je suis à bon droit de l'exhiber. Parce qu'il y écrit, c'est notre texte de loi et de deux. Pour comprendre bien, l'ULCC, ça fait mon cabinet est disponible, disposé pour fournir des conseils juridiques à l'ULCC. Parce qu'on m'a dit, comment fait le directeur pour un pied ça? Est-ce que vous comprenez que le directeur de l'ULCC a anticipé? Bon, je vais mettre, est-ce que vous excusez-moi, avant de venir dans le rôle de l'ULCC dans le cadre de ça? Nous rappelons
nous avons une belle relation avec eux. Depuis un moment, création CPTA, depuis un moment, installation CPTA. Position, c'était cours de cassation. Okay. Parce que, pour faire connaître, c'est pas qu'il y a aucun côté dans la Constitution, dans le moment de la délire, il prévoit pour gagner 9 présidents. Oui, oui, oui. Vous devez connaître tout acte conseiller présidentiel, ça va poser, c'est des actes hors la loi. Oui. Qui s'est expliqué, journée et jeudi, c'est même Médanel de Moussa, nous rien, qui a dit nous, conseiller présidentiel, nous, juif de prérogative, non, c'est. Non, non, je vais finir maintenant. Non, question, belle ou mais pas moi. Non, ok, pas moi. Pour qui ça décret a dit ça dans ma boire fait ensemble, le décret à travers l'article 4, pas dit en RMI. N'a pas fini la chaîne. N'a pas fini. Yes. Qui s'est expliqué, journée et jeudi, c'est même Mme Moussa qui a expliqué que d'ailleurs, présenté nous, il y a un conseiller, ça, qui c'est Emmanuel Bertier, comme un homme du droit, un homme qui respectait la loi, qui respectait maman loi pays d'Haïti. Tandis que, auparavant, ce n'est pas de même position. Très bien. Alors, question, bon, c'est une ambiguïté là-dedans. Ses frères mourir, ses amis mourir. Démarche que je fais là pour me défendre M. Emmanuel Bertillère, pas mettre en question position. Parce que moi-même, toujours, je suis un avocat esclave de la loi. Je suis toujours à défendre position côté que le CPT est inconstitutionnel. Parce que par contre, il y a côté dans le texte de loi, je n'ai pas cherché légitimité constitutionnelle. Nous pas besoin de dans mon loi pays. Mais comme de fait, attention, la majorité du plus fort est la meilleure. Les secteurs se sont mis d'accord pour dire qu'ils ne vont pas se diriger vers la Cour de cassation. Les secteurs disent bon pour le neuf président. Moi-même, qui fais position. Pour qu'on ait un risque de tomber. Pour qu'il y en a, c'est le même secteur. C'est le même secteur qui a dit pour retirer Mounio. C'est le même secteur qui a demandé pour quel conseil faire retirer. Non, il n'y a pas de droit à ça. Parce que automatiquement, le secteur a vu un dans le conseil présidentiel là, il n'y a pas de droit sur mon corps. Parce qu'il n'est pas le président d'un secteur, il est le président du peuple haïtien, il est le conseiller président du peuple haïtien. Mais le coup, là, il a dit, je ne suis pas de position. Ok. Attendez. Je ne suis pas de position. Moi-même, tout ce que m'a dit là, comme avocat, je n'ai inventé rien. Comme journaliste, lors poser une question ou un coup ils font s'éteindre en cours, à regarder. Écoutez, ce sont les parties qui sont mises ensemble pour accoucher l'accord de consensus. C'est pas moi. Ce sont les parties qui sont mises ensemble pour définir les rôles du CPT. C'est pas moi. Ce sont les parties qui ont pressé Ariel de sortir l'arrêté nommant les membres du CPT. C'est pas moi. C'est-à-dire, si tout document sont comme de fait là, pourquoi ne pas les évoquer? Je ne suis pas responsable de mon erreur. Moi-même, si j'étais en position de dialoguer avec les autorités en place de l'IPO, je t'ai dit moi-même, ma position est claire, je suis pour la Cour de cassation. Et là, tu as une certaine légitimité. Vous savez là? Qu'il y a un débat sur légitimité constitutionnelle, conseiller. Il y a plein de monde qui n'est pas d'accord qu'il y a une prérogative spécifique avec un président. C'est là, oui. Mais vous l'avez, c'est là. Et là, je vais vous dire, il y a alors, maître Mi, vous dites au bagage, vous dites toujours garder position. Oui. Ça veut dire, jusqu'à présent, vous toujours pour cassation, ou pas pour un conseil présidentiel de 9 membres. Mais ça va empêcher, ou défendre. Oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la défense du conseil présidentiel? C'est pas grave ça. C'est pas anti-éthique, ça n'a rien contre l'honneur. Je suis avocat. Allez, si le conseiller m'a contacté pour le défendre, je le défends. Et bon, ben, mal, etc., pour ma défendre, etc. Non, ça n'a rien de mal, c'est ma profession. C'est-à-dire, moi-même, bien content que ça n'a pas été ma spéculation. Je suis dans des textes écrits par les secteurs, écrits par les protagonistes. En vous posant une question, on me dit que sous ta lit, tout décret portant que la CPTA. M'a répété encore. Article 4 là, il dit les conseillers présidentiels jouissent des mêmes prérogatives spécifiques que le président. Et pas moi, il dit. Très bien. Maintenant,
Et je dis à nous, vous mettez accent en pile sur la Constitution, mais étant que homme de loi, si nous avons parlé de respect pour la Constitution, dans le cas où les conseillers sont impliqués, ils ne nous font pas attendre, ils tout le temps, ils ont même le pouvoir. Si nous avons mis, alors, si tu as toujours bien respect pour la Constitution, parce que je dis à la, c'est dans le conseil, nous avons pris. Après, c'est pour la cassation. Merci, merci. C'est des autres ça. C'est l'instabilité politique ça qui met là. On a toujours une confusion. On a pays pas à développer sans stabilité politique. Elle dit, il y a des gens qui font beurre dans la transition, il y a des gens qui remettent la transition. Elle dit, puis on fait petit coup de passion. Elle dit, je dis à vous, c'est quoi, on va mettre pas. Si l'instabilité politique, l'élection est faite à temps, on va pas jamais dans tout débat ça. Mais vous, attention. La précision que je dois apporter, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et ici, conseiller ça est au-dessus de la loi, il ne peut pas prévoir ça ou le retour de justice. Vous avez dit, mais ça me propose. Sur le plan juridique, ces conseillers ne peuvent attaquer, ne peuvent être attaqués par devant la justice. Je vais reprendre. Sur le plan juridique, ou pas qu'à attaquer conseiller ça devant le tribunal. Et voilà. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous attendons tout détail, toute explication et mettre la loi à camper red qu'on qu'est macaque sous position li. Et bon, Jean Bagayoko et l'Assemblée nèg même leur t'a fait corruption et comme yo gen attribution présidentielle, corruption rentre dans exercice fonction yo. Nèg yo bon, j'ai à interpréter ça la loi dit. Là nous dans cadre exercice fonction, c'est ça qui gen pour avec attribution, c'est ça qui gen pour avec et exercice fonction. Est-ce que un président et voleur entre dans exercice fonction, corruption entre dans exercice fonction, détournement de biens publics ou bien voler bien l'état entre dans cadre exercice fonction président? Comprendre? Donc nèg la vini et ça li avancer comme moyen de défense et ça li avancer comme argument, comme thèse pour le défendre et client là. Moi modèle avocat ça franchement, m'pa dit plus mais stratégie ça, non, stratégie ça li pas fondée. Dans le cas d'exercice fonction, si corruption, si extorsion, li prouvé, li avéré, etc. Comme on pral dit, comme on pral vin défendre ni sous base, yo pa ka, li pa pa e, ULCC pa ka enquêter, ULCC pa ka poursuivre, etc. Parce que li passible devant la haute cour de justice pour zak ki nan ki réalisé, ki fait dans l'exercice fonction. Mais volé pa rentre dans l'attribution au président. Corruption pa nan attribution au président. En tout cas, les nèg yo ap défendre intérêt yo papa, yo dit tout bagay, yo paré pour yo faire tout bagay. OK? Donc politique pas bon ici, ba être chargé net. Compatriotes haïtiens frères sœurs, moi c'est là n'a mettre un bout dans émission pour jeudi hein. C'est un véritable plaisir pour nous porter information si là pour vous. Restez connectés à channel là pour cette programmation hein. Rendez-vous en cas dans l'autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Les pays, nous pourrons faire des bases.